Le portrait de la Joconde cache un second visage. C'est ce qu'affirme un ingénieur français. Pascal Cotte travaille sur le tableau de De Vinci depuis plus de 10 ans. Sa dernière découverte, un autre portrait derrière le sourire de Mona Lisa. Il a expliqué à la chaîne britannique BBC: nous pouvons maintenant analyser exactement ce qu'il y a entre les couches de peinture et nous pouvons ainsi éplucher, comme un oignon, toutes les couches. Grâce à cette technique, l'ingénieur a constaté la présence d'un visage très différent de celui de Mona Lisa. Plus jeune, il montre des traits plus fins et n'affiche aucun sourire. Son identité reste toutefois un mystère. Pour Pascal Cotte, il ne s'agit pas de la même femme. Pour d'autres, il pourrait tout simplement s'agir d'une version antérieure de Mona Lisa. 500 ans après, la Joconde n'a visiblement pas fini de nous intriguer.